bien. Vous avez commencé à travailler déjà ou vous avez terminé? Est-ce qu'il y a encore votre double podcast? Je remercie l'Éternel de m'avoir conduit jusqu'ici et surtout de m'avoir permis de naître dans ce beau pays qu'est le Cameroun. Parce que pour moi, vous êtes spécial. Chaque fois que je me déplace et je vois un Camerounais, je me pose toujours la même question. Comment je peux faire pour le rendre heureux, ne serait-ce qu'une seule seconde? Et ce que j'aime dans ce beau pays, c'est toutes ces personnes. Nous pouvons nous battre, nous pouvons tout faire, mais nous nous aimons toujours. Et à chaque fois que nous avons l'opportunité de nous rencontrer hors de notre beau pays, c'est comme si nous étions toujours dans notre beau pays. Et ça, c'est un sentiment particulier. Et il n'existe qu'au Cameroun. C'est pourquoi je remercie une fois de plus l'Éternel de m'avoir permis de voir le jour dans ce beau pays. Parce que si j'étais né ailleurs, je ne sais pas si je serais un garçon comblé et heureux comme je le suis. Et sachez que mon destin n'était pas à la Fédération Camerounaise de football. Je l'ai fait, un, parce que c'était un défi, parce que c'était une promesse que j'avais faite, et deux, parce que j'étais fatigué de voir ce que nous aimons tous souffrir. Je n'aurais jamais la prétention de dire que je suis où je serai le meilleur dirigeant, mais j'ai la prétention de dire que avec mon jeune frère qui est là, personne n'aurait jamais pensé qu'au comité exécutif de la fédération, on aurait eu un garçon de 30 ans. Il est dans la trentaine et je suis fier de t'avoir dans ce comité exécutif
dans ce comité d'urgence, il est vrai qu'on me met très souvent en avant, mais c'est, si je suis fort, c'est parce que j'ai des collègues qui croient en ce projet et qui travaillent dans l'ombre jour et nuit pour que nous améliorons ce que nous aimons tous, qui est le football. Effectivement, il y a toujours des décisions dures à prendre. Mais je pense que je suis suffisamment prêt à prendre ces décisions-là. C'est ma responsabilité. On m'a nommé, on m'a voté, même pas nommé, pardon, on m'a voté pour prendre ces décisions. Les uns et les autres peuvent les critiquer, chers frères. Vous êtes loin. Je profite pour vous parler parce que vous êtes un peu loin. Ils peuvent critiquer certaines décisions, mais au final, ce sont de bonnes décisions. Et nous ne les prenons pas parce que ça nous fait plaisir, mais parce que c'est une chose. Aujourd'hui et demain et jusqu'à ce que mon mandat s'achève, celui qui ne respecte pas le Cameroun, celui qui ne respecte pas la Fédération Camerounaise de football, ne travaillera pas avec la Fédération Camerounaise de football. Qui est votre télévision ? Je suis un jeune homme décomplexé. Je l'ai dit hier ou avant-hier lors d'une réunion qui nous a pris un peu plus de 3 heures avec des personnes que je ne vais pas nommer ici. J'ai dit, je ne suis pas ce nègre de maison qui viendra vendre le bien le plus précieux que les footballeurs camerounais ont. Je ne serai jamais celui-là. Je pourrais commettre des erreurs parce que je reste un humain. Ça, c'est vrai. Même devant Dieu, il me le pardonnera parce qu'il saura que c'est une erreur. Mais je ne vais jamais vous vendre. Sachez-le. Quand je prends une décision difficile, c'est parce que je pense à tout ce que vous faites. Vous êtes ici, chacun de vous a des difficultés, cherche sa vie, veut mettre ses parents à l'abri, veut avoir une famille, mais vous trouvez le temps pour venir supporter le vert ou jaune, le 237. Dans le minimum que moi je puisse faire à la tête de cette fédération-là, vous ressemblez. Pour qu'on descende, je m'expliquerai devant n'importe qui et avec des preuves, parce que je ne parle pas souvent. Quand l'occasion me sera donnée, je parlerai qu'avec les preuves et elles sont palpables. Je ne suis pas dans l'achat des journalistes pour écrire que je suis beau, je ne le veux pas, mais les preuves sont là. Et les décisions sont motivées par ces preuves. Et je répète, celui qui ne respecte pas le Cameroun, celui qui ne respecte pas la Fédération Camerounaise de football, ne travaillera pas avec la Fédération Camerounaise. Je suis fier d'être Camerounais. Je suis fier d'être noir. Et je suis un noir et un Camerounais décomplexé. Ceux qui écouteront ce message se reconnaîtront. Maintenant, profitons de ce moment, parce qu'après, je dois rejoindre notre belle équipe, parce qu'on se prépare pour un beau match que j'espère mardi. Mais sachez que les victoires se préparent dans les défaites. Quand vous voulez arriver au top, il faut comprendre comment on doit surmonter les échecs. Ceux qui n'ont jamais gagné ou ne sont jamais arrivés là-haut ne peuvent pas comprendre ce que moi je comprends. Pour gagner, il faut savoir perdre. Et j'ai dit il y a 2 jours chez nos frères de la CIA TV que pour la première fois j'ai souhaité que les Lions perdent. Certains se sont permis de me critiquer. Mais dites-moi, quand vous marchez, si vous gagnez tout le temps, le jour où vous allez perdre, vous ne saurez pas comment réagir. Et pour gagner, nous, ce qui nous intéresse, c'est le 24 octobre. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est ce que les clubs en Europe font souvent, ils appellent ça pré-saison. Où on comprend comment elle fonctionne avec elle, quel système on doit. Le plus important, ce n'est pas la victoire.
Je sais que nous aimons la victoire, et moi le premier. J'aime gagner, j'aime être le numéro un. J'aime briller, j'aime être le plus beau. Mais pour ça, je sais que je dois travailler. Et ce travail-là, plusieurs ne le voient pas. Malheureusement ou heureusement, pour les lions, c'est dans le stade. Donc je vous prie de laisser cette belle équipe continuer à peaufiner ses armes, notre défi. De toutes les façons, tout le monde dit que le Cameroun va perdre. Vu que tout le monde dit qu'on va perdre, qu'on nous laisse au moins se rêver. On ne peut pas nous empêcher de rêver. Parce que quand je dis on va gagner la Coupe du Monde, on me dit tu es fou. Mais moi, je veux rêver. Après la Coupe du Monde, on dira son histoire. Mais rêver, c'est gratuit. Et je veux rêver. Et si je suis devenu Samuel Eto'o, c'est parce que j'ai rêvé. Si je n'avais pas rêvé, je vous jure, mes soeurs et frères, je ne serais jamais arrivé. Jamais du tout. Quand je me suis levé et j'ai dit à ceux qui étaient là, je vais vous battre aux élections, je l'ai fait. Mais j'avais déjà mon plan dans la tête. Je suis allé à Libé, j'ai vu mon petit frère. Je lui ai dit, je suis dans les secrets de Dieu. On doit battre les gens, là, suis-moi. Il s'est levé comme un bon militaire. Et dans la discrétion, on a travaillé. Ce n'était pas facile. Hein. C'est la même chose que nous faisons avec les lions. Donc, nous cherchons des solutions pour que cette équipe, le 24 à 13h, 24 novembre à 13h, heure de Doha, s'ils sont plus forts que nous, ils pisseront du sang. C'est ce que moi j'attends de ces garçons. Si on est plus fort, parce que le football c'est aussi ça, il faut que l'équipe adverse, en sortant du stade, se dise oui, on a trouvé une équipe aujourd'hui. Moi je rentrerai à Yaoundé étant heureux. Mais si ce n'est pas ça, je vais rêver. Et je vous prie de rêver avec moi. C'est de ça qu'il s'agit.